Merci, chers internautes d'actualité.cd. Merci infiniment de nous rejoindre encore une nouvelle fois sur les différentes plateformes numériques de votre média en ligne pour votre émission quotidienne que vous avez pris justement l'habitude de suivre à travers nos plateformes numériques, le sport débrief, ce nouveau numéro avec plein de sujets. Bien évidemment, on parlera football avec les Léopards. Aprime d'Afrique démocratique du Congo et qui prépare bien évidemment leur entrée en lice pour la double confrontation face au Saoudi Tchad hein, pour le compte des éliminatoires de cette compétition. On parlera également de la Fédération Congolaise de Football Association. Oui, on va y revenir. Bien évidemment, hein, on vous en parlait déjà la semaine dernière avec l'Assemblée statutaire qui doit normalement s'organiser dans les jours qui vont suivre. L'Assemblée statutaire qui va justement donner droit aux élections au sein de cette Fédération Congolaise de Football Association. On parlera également de l'Assemblée de la Ligue de Football de Kinshasa, des Vec Club de Lupopo. Et on parlera également du championnat national de moins de 17 ans qui est en train de se disputer, la phase finale qui est en train de se disputer ici à Kinshasa. On parlera bien sûr de Florent Ibengué qui va certainement dans les tout prochains jours paraffer son nouveau contrat avec la formation de Al-Hilal Omdurman du Soudan. Il est déjà sur place à Khartoum hein, pour régler les derniers détails. On parlera handball avec les quelques transferts, hein, les quelques mouvements, on va dire, de joueurs congolais hein, qui se sont effectués. Et puis, on terminera par du karaté avec la 26e édition de la Coupe du Congo qui s'est déroulée dans la province de la Tchopo, précisément à Kisangani, où, bien évidemment, la province de Kinshasa, comme depuis quelques années maintenant, a raflé la première place. On va retourner du côté de la technique hein, pour suivre ce carton et on reviendra juste après pour entamer cette émission. Voilà des retours sur ce plateau du sport débrief. Pour entamer cette émission, championnat d'Afrique de Nations à 2022, oui, ça se jouera en 2023, on sait, mais la compétition était normalement prévue pour 2022, donc l'appellation n'a pas changé, donc ne soyez pas surpris hein, si vous attendez quelque part qu'on est en train de dire championnat d'Afrique des Nations 2022. C'est ça l'appellation de la compétition. Les Léopards étaient en amical le week-end hein, face au Diable Rouge du Congo Brazzaville. 2-0, ils l'ont emporté hein, après les 1 but partout du match aller qui s'est disputé à Brazzaville. Hein, les buteurs de cette explication sont Peter Ikoyo Iyembe, les défenseurs du Dernier Club Motema Pembe, et Jean-Marc Makusu Mundele, l'avant-centre du FC Saint-Éloi Lupopo. Tout s'est relativement bien passé, bien que les Léopards ont dû attendre quand même la 69e minute et la 73e. Hein, donc les quatre, la charnière entre ces 4 minutes qui ont permis justement aux Léopards de marquer les 2 buts pour faire le break et ainsi remporter cette explication. On va vous laisser suivre hein, hein, pas à pas. Hein, voilà. Vous allez suivre le résumé du match, les joueurs qui se sont exprimés à l'issue de cette explication, ainsi que l'entraîneur de sélection nationale, Otis Ngoma Kondi. Et vous allez suivre juste après Glody Lilepo Maccabi, qui n'a pas joué ce match. Hein, Glody Lilepo Maccabi, qui va certainement rejoindre Florent Ibengué du côté de Al-Hilal Omdurman du Soudan. Il est déjà en partance, donc ça sera compliqué que lui, la saison prochaine, puisse jouer en tout cas ce championnat d'Afrique de Nations. Mais voilà, mais il était là quand même. Il a parlé parce qu'il avait une petite blessure au niveau du genou, hein, blessure qu'il a eue lors du match aller justement face au Diable Rouge du Congo, Brazzaville. On va suivre tous ces éléments et puis on va revenir juste après. Thank you.
premièrement que par rapport au match à match où tu mettais une abraza, tu mettais tout ça qui moi bloc ne sont très bas et on peut-être tu pensais qu'un adversaire trop possession de ballon tellement ceux qui bossent jouer dans Bukabaninga photo bosse là vraiment bloc qui pose la très bien pour concéder peu d'occasions et on met tout mettre au sol un peu dans abraza mais tant que tu mets trop bêta ou tu mets tout s'y lâcher tout ça. Tout ça, il y a un bloc qui est très lourd parce que c'est ça, il y a un monde qui est lourd, mais surtout garder trop ballon, tout créer plus d'occasions pour tout marquer. Bravo, bravo. Par rapport à l'Ina Rito, Chanzimé Salami, on a sur le terrain, on a un public qui est lourd, on a un commune qui est lourd, donc il faut différencier ça même. Surtout pour l'équipe nationale, on a vraiment très touché, très déçu par rapport à un résultat. Par rapport à la résita, il y a tout ça le mieux pour tout combler moi trop en bas, mais qu'un peu aussi pour le reste et tout talent après. Non, il a juste un plaisir à trop. Il a juste un plaisir à trop. En plus, oui, un travail, détermination, concentration, et puis voilà, il y a moi même dans le résultat. Il a plaisir, il y a un gars seulement, il y a toute l'équipe, et puis voilà. Ouais, le football c'est toujours comme ça. Beaucoup il y a peut-être match aller, et puis c'est vraiment t'es à fond et puis match retour, c'est quand même beaucoup reconnaissant la faille, peut-être bah mauvais emplacement et puis c'est beaucoup l'effort il y a quoi ranger et puis beaucoup peut concentrer, déterminer beaucoup l'effort parce que on est dans le match aller, il a pas na bango et il fallait peut-être tout nous kakoyer bana. Bah, comment il joue et puis voilà après pendant Bisopé tout ça il est quand même effort il y a que ça là que bah, on peut pas être derrière Bisop. Donc en gros le match est corrigé vraiment erreur on a vu sur match aller. Oui c'est ça parce que match aller déjà après match on attend tout le monde qui vraiment temps il y a Rousseau là bah, entraîné et puis qu'au temps là bah où ils ont qui bah faille dans Bisop bah, erreur bah, emplacement tout et puis tu as qui qu'au corrigeant on a bah, entraînement et puis là qui avant toi entamer match. Et puis voilà, ça veut dire que tout le monde qui entraîne à Bassengaki et on applique sur le terrain et puis on a fait ce résultat. Ouais, sentiment Zara, pour moi, tout travailler pour avoir le résultat. Pour avoir le résultat, pour avoir qualifié l'équipe dans le niveau de la chaîne. Donc, c'est un sentiment que je suis déterminé pour avoir travaillé. Le long match, le long fait sa victoire parce qu'il y a tout ça qui. Un but partout. Match aller, c'est une bagarre parce que tout le monde a tenté de comprendre qui était Zabalé, Babi. Chaque joueur aura du match. Mais un match, c'est tout le monde soit avant tout à stade, il faut déterminer. Il y a Rouya qui non, il faut tout bêta, tout son victoire. Ils ont été gagnés, mais il faut tout bêta, des balles, il faut tout son victoire. Il y a un moment où il faut vraiment déterminer. Oh, mon Dieu, c'était fait ça. Voilà! Oui, suite à ça, bientôt, on continue encore à travailler, à bosser. Tout le monde a un club, on travaille encore. En plus, tu es un peu plus de côté Tchad, mais tu es qualifié, tu as gagné, tu as un peu plus de gagné. On a rencontré une très belle équipe Congo-Brazza qui nous a causé beaucoup de problèmes. Des jeunes qui sont vifs, courageux, et puis surtout techniquement très bons. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est du bon boulot qui se fait au niveau de vos centres, ça on en félicite. Et par contre, le premier match, c'était notre premier match depuis plus d'un mois après hors compétition. On avait un peu du mal à Brazzaville parce que les garçons avaient une certaine appréhension au niveau de blessures. Puis il fallait changer un peu l'état d'esprit, il fallait faire comprendre aux garçons à domicile que de toute façon la blessure pourrait survenir d'un moment à l'autre, même chez les joueurs le mieux entraîné. Donc on a pris un peu le match comme un match amical à Brazzaville, alors que nos amis du Diable Rouge avaient pris ça pour un match international de très haut niveau. Donc c'est ce que nous on a fait, il fallait reconscientiser le garçon qu'il n'y avait pas de matchs amicaux sur les plans internationaux et qu'il fallait jouer ces matchs à fond, à 200%. Vous avez vu l'entame du match qu'on a eu dès le départ, on a voulu ne pas lâcher aucun ballon au Diable Rouge. Donc il y avait une certaine détermination et surtout amener ces garçons-là à comprendre la différence entre un match amical et un match international. C'est tout à fait logique. On a eu beaucoup de ratés en première mi-temps dans la mesure où le dispositif qu'on avait mis en place n'a pas anticipé ce qu'on avait décidé et ce qu'on a fait tout au long de l'entraînement. Donc quand on prenait notre avant-centre qui n'a pas vraiment fait les efforts
fort pour, qui est un peu en retrait, en distrait. Nos milieux centrés, surtout du côté gauche avec Nzumbi, qui était inexistant en première mi-temps. Le milieu qui joue un peu beaucoup plus bas, additionné tout ça, donc l'équipe ne pouvait pas bien jouer. Donc en deuxième mi-temps, il fallait rectifier les tirs et puis corriger toutes ces erreurs. Et si c'est encore sur un pressing haut, je félicite mes garçons parce que ce qu'ils ont fait, après un mois d'arrêt, 8 jours d'entraînement, c'est dit, franchement, c'est un sacrifice. Eh bien, s'il n'y a eu aucun tir cadré parce que les léopards ont sorti la griffe. Voilà, monsieur. Bandaï, déjà, moi, bah, marche, tout ça, et après, on m'a eu qu'on rejoindre Baninga dans le terrain, mais apparemment, c'est comme si il s'imbite. Je vois que moi, Koumor, dans le match, il est quand même à Braza, dans l'action en bi. Gardien a tout à la genou. Donc, tant on a tiré bim, la mort n'a pas passé. Après, bah, quelques minutes, des scores douleur et bimi. On dit bah, ça a un changement. Si tu as un peu de temps, tu as un peu bien. Après, les londes, bah, ils ont un peu de marche. Ils ont un peu de marche, ils ont un peu de marche, ils ont un peu de marche, ils ont un peu de marche. Et tant on a une salle, bah, c'est la réactivation. Et puis, il y a un peu de douleur, il y a un peu de marche. Si on a un type qui a été en train de se faire, mais si on a senti que la douleur est en train de se faire, on a parce que pour les genoux, dans les genoux, il faut l'aider bien. Si on a l'effort, il y a comme grave. Grave, mais ça n'a pas été, mais ça n'a pas été bien. Mais si on a un peu de douleur, si on a senti la douleur, on a un peu de temps. Voilà, des retours sur ce plateau. Vous avez donc suivi là, hein, les résumés du match, les joueurs qui ont parlé, Otessingo Makondi ainsi que Glody Lilepo Makabi, qui va certainement s'envoler pour le Soudan dans les toutes prochaines heures. Voilà, hein, on vous dit merci également, hein, comme d'habitude, hein, à la direction de la communication de la Fédération Congolaise de Football Association qui nous ont proposé cette image. On voit là Rigo Molopo à la caméra et Belinda Odia. Voilà, on va attendre, les Léopards vont revenir... Le 15 août, selon le programme que la Fédération Congolaise de Football Association a donné, ils vont revenir le 15 août, hein, et parce que le match aller au Cameroun, ça sera le 28 août, et une semaine plus tard, ici à Kinshasa, face au Sao du Tchad. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire davantage? Bonne chance à eux, et on espère que la qualification sera du côté congolais ce jour-là, et que les Léopards participeront à cette compétition. Sans transition, on va parler de la Fédération Congolaise de Football Association avec l'ensemble statutaire qui va s'organiser selon le programme de la Fédération Congolaise de Football Association dans les toutes prochaines heures également. Et sur ce point, le président intérimaire, hein, de la Fédération Congolaise de Football Association, Donatien Chimanga, a tenu à éclaircir l'opinion par rapport au code électoral justement qui va animer les élections qui viendront à l'issue justement de cette assemblée statutaire pour adopter les nouveaux statuts de la Fédération Congolaise de Football Association. On va l'écouter également. Le statut et le code électoral sont arrivés. On a broché. On va convoquer l'assemblée d'adoption le 5 pour une durée de 45 jours. Les gens qui parlent ceci, cela, qui doivent savoir que depuis des années, les statuts qui sont là, je suis signataire. Parce que c'était fait en 2000. On a fait aller-retour pendant autant de temps. Et l'article qui est placé, ce n'est pas nous, c'était la FIFA. Pourquoi il avait mis l'article qu'il faut être un ancien, tout ça, ainsi de suite, que vous connaissez? Parce que dans la fédération, il y avait des comités. Toutefois, quand on invitait au congrès, le président de la fédération, il y avait des présidents, des délégations. Ils ont trouvé, non, il y a un ça ne va pas dans cette fédération. Il faut mettre la condition là pour qu'ils puissent un peu freiner soit les hommes d'affaires, soit les autorités publiques qui veulent toujours embrouiller donc, la promotion du football congolais. Alors aujourd'hui, on a libéré. Moi, je suis très content. La fédération n'est pas faite pour nous-mêmes, c'est fait pour tout le monde. Nous allons passer, mais la fédération restera toujours. Mais nous devons travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis là. Peut-être que ça serait le tour de Bonina ou de quelqu'un d'autre parmi vous. Alors, nous devons être ensemble, nous devons parler le même langage entre nous.
parce que nous sommes les sportifs. Alors, c'est pourquoi je remercie Monsieur le Président, le Père de Temps, qui m'avait donné la parole, pour que j'annonce officiellement que d'ici le 5, nous allons convoquer l'Assemblée officiellement. Il faut compter 45 jours. Après les 45 jours, après l'adoption, nous allons encore vous dire quand est-ce qu'il y aura les élections. C'est pour l'appel de candidature, tout ça, ainsi de suite. Ça demande un travail. Alors, on ne sait pas si on va commencer avec les ententes, les ligues, et puis terminer avec la fédération. Tout ça, ça va toujours être décidé dans l'Assemblée au direct qui va se tenir. Donatien Chimanga, voilà, c'était donc lui, hein, le président intérimaire de la Fédération Congolaise de Football Association, qui s'exprimait, hein, par rapport aux futures élections et à la future assemblée statutaire au sein de cette fédération. Et nous croisons tous les doigts, tout simplement, pour qu'il y ait en tout cas, enfin, un comité, on va dire, consensuel, hein, qui va essayer justement de restructurer cette fédération et le football congolais dans son ensemble. Ça ne sera pas facile, hein, c'est un travail de longue haleine, comme on a l'habitude de le dire, mais on espère vraiment que avec le prochain comité qui viendra au sein de cette fédération congolaise de football association, que tout marchera dans l'ordre et puis voilà quoi, nous aurons les résultats escomptés. On garde toujours en football, hein, avec l'élection à la Ligue nationale, à la Ligue de football de Kinshasa, pas la Ligue nationale de football. Là, les élections viendront également cette année, certainement, on espère. Mais à la Ligue de football de Kinshasa, là également, c'est la période des assemblées. Hein, voilà, c'est la fin de saison. La Ligue de football de Kinshasa a tenu également son assemblée générale ordinaire. Tout s'est relativement bien passé au sein de cette ligue. Trêve de commentaires, hein, on vous laisse suivre Désiré Bonina Ifongé, le président de cette ligue, qui nous fait ici le compte-rendu justement de cette assemblée et de la saison en général. Je suis satisfait dans la mesure où le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Nous avons examiné les points liés à la partie technique, à la partie administrative et à la partie financière. Il faut aussi dire que ce rapport a été distribué aux sociétés bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de le pénétrer et poser, exprimer leurs préoccupations par rapport à ce qu'ils avaient estimé que les passés lumières et les choses se sont passées sans problème. Mais nous avons simplement déploré le fait que le manque criant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa pour la pratique du football. Et heureusement que au cours des assises d'aujourd'hui, nous avons eu la présence de son Excellence Monsieur le Ministre provincial des Sports, qui est notre autorité directe. Et nous avons exprimé nos préoccupations quant à ce. Et apparemment, il a pris note pour que puisse faire un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes liés aux infrastructures de football dans la ville. Nous avons suivi que le ministre national des Sports a mis à la disposition de la ville de Kinshasa la pelouse qui a été démantelée au niveau du stade des Martyrs, les chaises ainsi que les projecteurs, pour que les travaux soient faits au niveau du stade Cardinal Maroula, afin que ce stade soit mis à la disposition de la jeunesse chinoise pour que nous puissions y organiser notamment les championnats d'élite de la ville de Kinshasa organisés par le Pekin et les championnats d'élite. Nous nous appuyons aujourd'hui et nous avons également parlé au cours de cette assemblée de l'innovation qui a été la nôtre pour l'organisation du championnat en cette année 2021 en ce qui concerne les championnats de la Pekin, notamment qui s'est joué avec deux groupes de 16 chacun. Tous les membres de l'Assemblée générale ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette organisation. Ils ont estimé que si le problème de l'infrastructure est résolu, que nous puissions voir comment on peut revoir à la hausse le nombre de clubs participant à ces championnats.
Alors aujourd'hui, nous appuyons sur uniquement deux terrains pour l'organisation du championnat de Libreville-Kinshasa, le terrain de Ndjana et le terrain G2, qui est dans un état impraticable. Ça, il faut qu'on se le dise, mais on le fait jusqu'à la fin de cette saison, on l'a utilisé, parce que faute de mieux. Alors nous avons posé le problème à son Excellence Monsieur le Ministre. Nous espérons que les moyens nécessaires seront mis à la disposition de la Ligue de football de Kinshasa pour que les travaux nécessaires y soient opérés avant le démarrage du championnat qui est prévu pour les Pepkin le 15 septembre, les premières divisions des Antennes urbaines le 24, les deuxièmes divisions des Antennes urbaines le 1er octobre. Donc voilà, les dates sont connues désormais. Nous demandons donc à tous les sociétaires de nos entités sportives, à tous les clubs, de se préparer parce que les dates sont connues. Et nous annonçons également que les centres médicaux, CNMS, le centre médicaux sportif, a déjà ouvert ses portes pour le football à partir du 1er août. Le 1er août tombant un jour férié, donc à partir du mardi 2, les clubs qui veulent faire passer leurs athlètes là-bas peuvent y aller parce que les portes du centre sont ouvertes. Donc nous en appelons à la responsabilité de chacun, que chacun se prépare en conséquence pour qu'il puisse affronter le championnat 2022-2023 en toute responsabilité. De retour sur ce plateau. Vous avez donc suivi le président de la Ligue de football de Kinshasa, Désiré Bonina Ifongé, qui nous faisait le compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire de cette Ligue, qui faisait justement le bilan de la saison 2021-2022. On espère que la saison prochaine, 2022-2023, sera très bonne hein, et que tout ira pour le mieux. Nous gardons toujours dans ce chapitre des assemblées avec l'AS V-Club, hein, l'AS V-Club Gamanga également, qui a tenu son assemblée générale ordinaire. Hein, V-Club qui a terminé à la deuxième position officiellement, en tout cas pour le classement de la phase aller. On ne sait pas, hein, parce qu'on le dit depuis quelques temps maintenant que la Ligue nationale de football va faire un classement général qu'elle enverra. À la Fédération congolaise de football, l'association qui prendra les décisions idoines pour la fin de la saison. Il y a énormément de litiges hein, au sein de cette Fédération congolaise de football association. Bon, on n'en est pas encore là, on y reviendra avec force détail quand ça sera prêt. Mais V-Club également a tenu son assemblée générale ordinaire. L'équipe ou les assises ont voté un budget de 8 millions de dollars pour la saison prochaine, hein, V-Club qui va jouer la Ligue des Champions. Pour la saison prochaine, 8 millions de dollars, c'est beaucoup, mais bon, il faudra quand même essayer d'aller se qualifier d'abord pour la phase de groupe et puis essayer de faire en sorte que l'équipe puisse arriver minimum demi-finale et pourquoi pas à la finale. Ça sera compliqué, hein, ça sera vraiment compliqué parce qu'il y a des équipes qui ont des budgets assez colossales quand même par rapport à cette Ligue de Champions. Mais V-Club va essayer de mettre la tête, comme on dit souvent ici au pays, et pourquoi pas créer la sensation lors de cette Ligue de Champions. Voilà, c'est le même cas également pour le FC Saint-Éloi Loupopo du côté de Lubumbashi. La semaine dernière, on vous parlait de tout-puissant Mazembe, le frère ennemi du FC Saint-Éloi Loupopo. Là, vraiment, du côté de Loupopo également, voilà, les dirigeants ont fait de leur mieux. L'équipe, certainement, à moins qu'il y ait changement, dans le classement, Loupopo va jouer la Coupe de la Confédération. C'était l'objectif de la saison. Loupopo a pris la troisième place au classement à l'issue de la phase aller du championnat. Et c'est à l'issue de cette phase aller que le championnat s'est terminé. Là également, les choses se sont très bien passées. Il y a eu des renforts. Et voilà, on va vous laisser suivre hein, justement ce qu'a été cette assemblée générale ordinaire de Cheminon de Lubumbashi. Et nous allons revenir juste après. Yeah.
Dimanche 24 juillet 2022, la salle Bukavu du Pullman a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire du football club Saint-Éloi-le-Popo qui s'est ainsi acquitté de son devoir statutaire conformément au calendrier de la Lina Foot. Sous la houlette du délégué de la Lina Foot, Maître Innocent Kibundulu, ses assises ont connu plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'audition et l'adoption du rapport bilan sous ses quatre volets administratifs, financiers, médical et technique. Pour cet exercice, Donat Molongoï, patron de l'administration, est revenu sur la gestion administrative et quotidienne du club. Il a par la suite parlé des correspondances reçues et expédiées. Guylain Tengou, médecin de l'équipe, a pour sa part dressé le bilan médical de la saison. Il a à cette même occasion remercié la direction du club pour s'être investi pour la récupération des joueurs blessés. A noter que tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité. Ensuite, prenant la parole, le président Jacques Aboula Katoué a adressé ses remerciements au chef de l'État pour le soutien tant moral que financier, aux membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, aux honorables députés provinciaux ainsi qu'à toutes les structures du club pour avoir participé activement au retour de Loupopo en Afrique 7 ans plus tard. Aussitôt après, le boss a peint la situation actuelle de sa chère équipe avant de faire des annonces importantes. J'ai le devoir de vous annoncer aujourd'hui que le coach qui a été sélectionné, c'est Mohamed Magassou. Il a signé avec Loupopo pour 3 ans. Nous avons aussi signé avec son adjoint Mahamadou Sidibé, aussi pour 3 ans. Son adjoint a été aussi son adjoint à l'équipe nationale malienne et nous avons vu les performances. Nous allons commencer d'ici peu à recruter certains joueurs. Mais pour y arriver, d'abord, il faut tabler sur l'effectif. Nous avons eu, pour la saison passée, 35 joueurs. Et nous venons de libérer 5 joueurs, pour ne pas les remercier. Et nous allons prêter 6 joueurs. Donc nous resterons avec 24 joueurs. Et l'exercice sera de recruter tout au moins 4 joueurs pour faire un effectif de 28 joueurs. Nous sommes en pourparlers avec certains joueurs. Je me réserve de donner leur nom. C'est des meilleurs. Vous n'avez pas idée. Les ambitions que nous avons, c'est d'avoir une équipe capable d'être premier de la Lina Foot et premier en Afrique. Et pour ça, ensemble avec vous, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que l'équipe y arrive. Dans son mot de clôture, le délégué de la Ligue nationale de football a salué la bravoure de l'actuel comité qui a bousculé la hiérarchie des joueurs en tout pronostic. Innocent Kibundulu a par ailleurs insisté sur l'encadrement des jeunes qui peuvent, à l'horizon 2025, constituer un véritable vivier. L'effort fourni sur terrain, la qualité du travail déployé, les finances exposées ont payé et les résultats n'appellent pas commentaires. Aujourd'hui, Loupopo reprend ses lettres de noblesse. Je ne crois pas que ce soit un fait du hasard. Cela résulte du respect de la norme, du respect des règles. En tout début de ces travaux, une minute de silence a été observée en mémoire des notables décédés. C'était là donc l'Assemblée générale ordinaire du FC Saint-Éloi Loupopo. Merci hein, à l'équipe de communication du FC Saint-Éloi Loupopo qui nous propose ces images. Le FC Saint-Éloi Loupopo, une équipe très ambitieuse. Elle le sera encore certainement la saison prochaine parce que l'équipe sera boostée, motivée par cette qualification pour la Coupe de la Confédération. Il y aura certainement quelques renforts. Qui va se faire. Il y a déjà même un premier renfort. Hein, voilà. Il y a Mohamed Magassouba, l'ancien entraîneur du dernier Kamote Mapembe, vainqueur de la Coupe d'Afrique, de vainqueur de Coupe en 1994, qui est passé également par Loupopo à une certaine époque. Il était rentré au Mali où il avait pris la tête de la sélection nationale de son pays. Et là, maintenant, il était libre. Il est revenu ici, dans ce pays-là où il a beaucoup fait. Voilà, Mohamed Magassouba, qui va prendre les rênes du staff technique du FC Saint-Éloi Loupopo pour la saison prochaine. Bonne chance aux cheminots et on les suivra, bien évidemment. On garde toujours la page football. Hein. On va parler de la Ligue nationale de football de jeunes avec l'organisation du deuxième championnat national de jeunes. La phase des qualifications étant terminée au niveau des provinces, tous les champions au niveau
des provinces sont actuellement à Kinshasa. Ils sont en train d'évoluer. Donc, hein, c'est un championnat de moins de 17 ans. Hein, voilà, de moins de 17 ans qui sont en train donc de jouer. Les matchs se jouent ici à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. On va vous laisser suivre hein, cet audio de Zéphir Kandina Moukania, le président de cette Ligue nationale de football des jeunes, ancien confrère, hein, mais qui est maintenant au niveau des bureaux au sein de la Fédération congolaise de football association qui s'occupe justement de cette Ligue nationale de football de jeunes. On va l'écouter. Je suis satisfait parce que il y a quand même 6 ligues provinciales qui ont répondu à l'appel. Je suis satisfait parce qu'il y a eu de ces équipes qui se sont prises en charge pour venir à Kinshasa et se prendre en charge pendant le séjour, c'est-à-dire hébergement, restauration, transport local. C'est une prise en charge personnelle. Là, c'est vraiment une satisfaction. Ben, dessus quand même, la plupart des invitations que nous avons envoyées n'ont pas connu un retour que nous attendions. J'aurais bien voulu que nous soyons dans le gradin et pourquoi pas notre tribune avec ceux qui sont réellement dans le football. On ne peut pas penser avoir un football meilleur en République démocratique du Congo si on n'a pas un œil sur le football à la base. Ça, c'est ma déception. Voilà, déception aussi du fait que les sponsors n'ont pas répondu. Voilà. Donc, un goût amer de constater que le football à la base est toujours abandonné, alors que ce que les enfants nous ont gratifié aujourd'hui, c'était inattendu, je peux dire. Ça, c'était un football que j'ai vu de jeunes gens de Fizi, par exemple, ça a impressionné tout le monde. Je me demande pourquoi le grand club court toujours derrière de joueurs qui sont à conflit, alors qu'il y a des diamants, il y a des pépites d'or qui peuvent avoir à travers cette compétition. Voilà. Accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Je vous disais tantôt qu'il y a ces équipes, joli site du Katanga qui s'est pris en charge. Ce n'est pas le gouvernorat du Katanga, du Haut Katanga. Non, c'est ils se sont pris en charge, ils sont venus. Il y a l'équipe qui est venue de Fizi, l'équipe du Sud Kivu. C'est une prise en charge personnelle. Il y a les équipes de Kinshasa qui jouent. Ce n'est pas le gouvernorat de Kinshasa qui prend ces équipes en charge. Donc le nombre que nous avons reçu en termes de représentativité de province, c'est parce que le gouverneur n'accompagne pas ces équipes d'âge. La plupart des gouverneurs n'accompagnent pas. C'est ça le seul problème. Les équipes du Nord Kivu étaient prêtes. Ils ont déclaré forfait à la dernière minute. Je parlais tantôt du Haut Katanga. Ils avaient déjà déclaré forfait, la Ligue avait déjà écrit, mais les équipes se sont dit, bon, comme il n'y a pas d'argent du niveau du gouvernement, nous allons venir avec nos propres frais. Alors il y a des gouvernorats qui n'ont pas pu mettre le moyen à disposition de ces équipes. Voilà pourquoi il n'y a pas assez. On n'a pas pu atteindre le 11 ligues provinciales telles qu'on le voulait. On a le moyen. Avant de faire le déplacement, nous sommes réunis à distance, bien entendu, et on a pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire la compétition va se dérouler sur 8 jours et ils ont préparé leur prise en charge pour 10 jours. Et voilà, nous allons faire un effort pour rester dans la fourchette et permettre à ce que toutes ces équipes puissent participer à la compétition et arriver jusqu'à la fin. L'appel, on l'a toujours fait, hein, c'est devenu comme une pièce de théâtre à chaque fois que nous le faisons. Lorsque le Léopard senior ou le A' gagne des trophées à l'extérieur, vous voyez comment est-ce que les sponsors courent derrière pour accompagner les trophées. Mais personne ne sait comment aller dans la brousse, faire le champ et venir cueillir un jour. Là, nous sommes en train de préparer l'avenir. C'est maintenant que les sponsors devaient venir. Et nous le disons toujours, nous crions, ben, les gens ne répondent pas. Moi, j'aimerais que ceux qui aiment vraiment le football
prouvent à la face du monde qu'ils sont avec le football. Parce que là, nous avons des compétitions que nous organisons au même moment. Nous avons le U15 au centre technique coureur à Pova que nous organisons. Et là, ça s'étale sur 10 semaines. Nous sommes à la 6e semaine, il reste 4 semaines. On a beau crier, il n'y a pas d'accompagnement. Mais ceux qui fréquentent ces championnats ont vu le joueur qui sort de ces championnats de U15. Ici, nous sommes avec le U17. Ici, c'est la crème au fait, du football congolais. Parce que ce n'est pas seulement le champion de Kinshasa qui est là, ou le meilleur classé de Kinshasa, mais ce sont le meilleur classé de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que les sponsors, en principe, se bousculent derrière nous. Mais là, nous restons toujours un enfant pauvre, pas un parent pauvre, mais un enfant pauvre abandonné à son triste sort. Voilà, c'était là donc Zéphir Kanina Moukania, le président de la Ligue nationale de football de jeunes qui faisait, on va dire, le bilan après la première journée de cette deuxième édition du championnat national des jeunes de moins de 17 ans qu'il dirige bien évidemment. Voilà, on ne peut que leur souhaiter beaucoup de bonnes choses et on espère que ce championnat ira jusqu'à la fin et que véritablement l'objectif poursuivi bien évidemment derrière ce championnat, c'est de découvrir les futurs léopards. On espère que ces futurs léopards, on va les découvrir dans ce championnat et que l'équipe nationale d'appui démocratique du Congo sera véritablement fournie. Toujours en football, Florent Ibengué a remporté la Coupe du Maroc, c'était il y a quelques jours, avec son équipe de la Renaissance de Berkane. C'est le doublé après avoir remporté la Coupe de la Confédération avec la même équipe. Florent Ibengué a... avec son équipe, au tir au but, a battu donc 3 buts à 2 après le 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de prolongation. A battu le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique, vainqueur de la Ligue des champions et vainqueur du championnat du Maroc. Voilà. Il fallait quand même le faire. C'était pas facile dans un stade de Marrakech chauffé à blanc où il y avait énormément de supporters du Wydad de Casablanca qui sont venus faire le triplé, mais malheureusement, la chance ne leur a pas souri. On va suivre justement la réaction de Florent Ibengué. C'était à l'issue de cette explication. Déjà, c'était un match de l'orgueil. J'avais dit à mes joueurs, stop. C'était un match où j'ai marqué aujourd'hui, stop. On avait été battu deux fois par le même adversaire. Sinon, ça allait être une habitude qu'ils nous battent à chaque fois. Donc, c'était un match, il fallait se révolter. Même vous, quand on vous bat deux fois, vous n'avez pas envie de perdre la troisième fois. Donc j'ai remonté mentalement, c'était ça. Et puis après, tactiquement, on savait comment jouer le WAC. On a joué deux fois contre eux. La première fois, on a eu plus de possession de ballon qu'eux et puis on a perdu 2-0. La deuxième fois, c'était un match très intéressant, très équilibré, mais on a perdu dans les arrêts de jeu. Donc là, j'ai dit aux joueurs, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas aller se jeter pour se faire contrer bêtement. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons joué un peu plus dans notre camp pour leur proposer des attaques placées et nous les contrer un peu plus. Donc ça a fonctionné au bout du bout. Je crois qu'on aurait pu marquer plus tôt. Bon, on ne l'a pas fait. Eux aussi, ils ont eu des opportunités. Donc c'était un match assez équilibré et ça s'est terminé par les pénaltys. Oui, on parle beaucoup, mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on est content, on est heureux. On va pouvoir aller en vacances et puis après on va préparer un petit peu le recrutement pour la RSB et puis on verra la suite. Voilà, c'était là donc Florent Ibengué, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, ou je peux dire le futur ex-entraîneur de la Renaissance de Berkane, parce que ça se précise maintenant. Ça se disait en coulisses, maintenant c'est presque officiel maintenant. Jean-Florent Ibengué Ikwangé va signer pour les trois prochaines saisons au sein de la formation de Al-Hilal Omdurman du Soudan. Il est actuellement donc à Khartoum pour régler les derniers détails de son contrat. On ne peut que lui souhaiter bonne chance et qu'il va réussir, qu'il fera la même chose avec cette formation de Al-Hilal Omdurman comme il a fait avec la Renaissance de Berkane. On va aller du côté de la technique, on va prendre ce carton pour entamer d'autres sujets à cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau. On va parler handball. On va survoler
Hein, il y a eu quelques mouvements en handball hein, concernant les joueurs congolais évoluant à l'étranger, hein, notamment Adama Ouédraogo. Voilà, vous allez certainement me poser la question. Adama Ouédraogo, hein, voilà, qui est congolais. Voilà, oui, effectivement, Adama Ouédraogo, c'est l'international congolais d'origine burkinabé, bien évidemment. Il a été naturalisé en 2018. Hein, il a pris part à deux Coupes d'Afrique et à une Coupe du Monde avec les Léopards handball de la République démocratique du Congo. Il vient même de jouer la troisième Coupe d'Afrique des Nations. C'était pas longtemps en Égypte. Voilà, Adama Ouédraogo a quitté la formation de l'US Saint. C'était en troisième division française. Il n'a pas encore trouvé d'équipe hein, pour le moment, mais bon. Très grand joueur, hein, il va certainement rebondir quelque part. Un autre joueur congolais, lui, il est gardien de but, c'est Jordi Jacobi Kouali. Voilà, Jordi Jacobi Kouali, vous allez encore me poser la question s'il est congolais. Non, il est antillais, voilà, naturalisé, congolais, voilà, qui était là également lors de la campagne précédente internationale congolaise depuis 2019. Il était là à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique récemment en Égypte. Voilà. Lui quitte la formation de Cherbourg, non, de Combo, voilà. Ponto Combo, voilà, qui s'engage maintenant avec l'US Dreux Vernouillet. C'est en troisième division, en quatrième division plutôt, hein, en quatrième division française. Et la star de cette équipe, Gauthier Vumbi, voilà, Gauthier Vumbi. Ouais, quand on est en train de parler, hein, vous êtes en train de voir certainement les photos que Olivier Mwamba est en train de nous balancer concernant ces joueurs. Gauthier Vumbi, lui également, quitte la formation de Pouzoj Vendée à handball. C'était en troisième division. Il n'a pas encore trouvé d'équipe pour le moment, mais on espère qu'il va rebondir dans un club où il pourra justement continuer sa carrière. Voilà les quelques nouvelles hein, en handball qu'on avait à vous donner. On va aller du côté de la technique, porte sous carton, pour parler du dernier sujet de cette émission. On parlera karaté avec la 26e édition de la Coupe du Congo qui s'est déroulée du côté de la Tchopo à Kisangani. Voilà, de retour sur ce plateau pour aborder le dernier sujet de ce sport de brief de ce jour sur plateforme numérique d'actualité.cd. Karaté, voilà, la 26e édition de la Coupe du Congo de karaté a eu lieu à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où régulièrement la ville ou la ville-province de Kinshasa ramène toujours presque toutes les médailles hein, au niveau donc, de cette discipline et on n'a pas dérogé à la règle lors de cette édition. Kinshasa a pris la part du lion, comme on a l'habitude de le dire. On va suivre hein, ce qu'a été les finales justement de cette édition avec les quelques interviews que nous ont proposé hein, les membres de la direction de la communication de cette fédération. Là, je vois là Fils Kamunga et Jean-Claude Mwamba qui nous ont aidés avec ces images. On va l'écouter. La Ligue de Kinshasa soulève les trophées de la 26e édition des championnats nationaux de karaté Kisangani 2022. Sur le plus ou moins 19 ligues contre la FECACO, 12 ont répondu présents à cette fête nationale. Une première depuis la pratique de cette discipline en RDC. De quoi satisfaire son président. Le défi était très important, il fallait le relever. Nous avons réussi, nous avons gagné le pari. Dieu a été au centre de notre prière. Et aujourd'hui, nous sommes les hommes, je suis l'homme le plus heureux. Sur les tatamis, les guerriers ont mérité leur place en raflant des médailles d'or. C'est le cas de Roli Kalala de Kinshasa qui a battu Bosobola du Haut-Katanga par 6-3. On a remporté médaille d'or. On a évité son roman de tristesse en Hollandais. Malgré la défaite de son équipe en finale dames senior de kata, Lorraine Kolopo de la Tchopo s'est réjouie de l'ascension du karaté dans sa province. Aujourd'hui, on a été vraiment contente et puis ça nous a permis d'acquérir de nouvelles expériences hein, et de partager aussi des connaissances avec d'autres équipes des autres provinces. Pour lier l'utile à l'agréable, la FECACO a remis un tatami neuf à la Ligue de la Tchopo, mais également par la même occasion, le gouverneur de la province, Maurice Abibou, a été élevé à titre honorifique au grade de ceinture noire premier dan. C'est une surprise agréable pour la province et c'est pourquoi
tout en remerciant la fédération d'avoir choisi la ville de Kisangani pour habiter ses assises. Je félicite particulièrement tous les athlètes et les staff techniques de la Ligue provinciale de karaté d'eau de la Tchopo. Après deux jours de compétition, Kinshasa termine en tête avec 15 or et 2 argent, suivi de la Tchopo, 8 or, 10 argent et 8 bronzes. Le Nord Kivu vient en troisième position avec 6 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze. Voilà, c'était là donc les quelques interviews qu'on a pu prendre pour vous par rapport à la 26e édition de la Coupe du Congo de karaté. Et voilà, on félicite quand même les dirigeants de cette fédération qui sont en train d'abattre un travail assez remarquable. Donc voilà, espérons qu'ils vont continuer à le faire ainsi et que cette discipline, il essaiera de sortir la tête de l'eau pour aller loin, bien évidemment, pour aller décrocher les médailles, surtout au niveau international. Voilà, c'est la fin de cette émission de ce sport débrief de ce jour. Si vous avez aimé, comme d'habitude, dites merci à Olivier Mwamba qui était du côté de la caméra et du côté du montage. Merci infiniment de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine, toujours sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. On vous retrouvera toujours avec le même plaisir. Salut!